tu ressens qu'il y a une animation particulière autour du groupe? Je ressens qu'on a de moins en moins de temps libre, ouais, effectivement. Donc on est bien occupé, tant mieux, on s'en plaint pas. C'est assez chouette, je crois que les gens qu'on a rencontrés, pour l'instant, que ce soit les Francofolies, que ce soit surtout le FER, le Fonds d'Action Initiative Rock à Paris, qui nous a encadrés toute l'année dernière, et il nous a soutenus et nous a fait rencontrer les gens avec qui on travaille maintenant. Ce sont des gens qui m'ont donné une impression de bienveillance. Ça s'est passé, enfin le FER nous a aidé à concrétiser ça sous forme de contrat, etc. La rencontre même s'est faite par le label Fence, qui est un label d'Écosse qui avait sorti mon album précédent, Plein Inondable, en Grande-Bretagne. Des lieux différents, que ce soit la France, l'Afrique du Nord ou bien le nord de la Grande-Bretagne, et des rencontres et des sonorités. Donc que ce soit un club de Glasgow ou bien un groupe de Sénégalais qui jouent du sabar à Dakar. Voilà. Beaucoup de sonorités me sont passées dans les oreilles. Ouais. À l'âge, étirant le temps, du chant des somnambules, le visage en argent, la cadence des bûches, le rire en mes dents, nous mettions le feu. Qu'il faille perdre de vue tout ce que nous fûmes en visant vers le luxe. Sur la percussion, ouais, c'est lui qui est le rythmiciste. C'est lui qui joue les percussions. C'est lui qui amène tout le groove. Effectivement, il est très amateur des sonorités africaines. Moi-même, je suis grand amateur du blues malien, de Ali Farka Touré, la musique du désert. Non, ça n'a jamais été tout à fait solo, mais c'est toujours moi qui étais à l'origine des compositions, des morceaux. Et disons le point de gravitation de tous les musiciens qui ont fait partie des Atlas Mountains, qui ont été un temps seulement des Anglais. Mm-hmm. Puis après, ça a tout le temps changé. Il y a eu des musiciens d'Écosse. Et plus récemment, depuis les trois dernières années, ça a été beaucoup des amis d'ici, de Charente-Maritime. Ouais, il y a des projets parallèles, il y a Archipel, Babe, Petit Fantôme, qui sont les projets respectifs de Amaury, Gérard et Pierre, qui jouent avec moi sur le live en ce moment. Et tu joues aussi, tu montes sur scène aussi avec ouais. Petit Fantôme, par moi exemple. Je joue sur scène avec Petit Fantôme, j'ai joué sur scène avec Babe et Archipel aussi. Mm-hmm. On a enregistré sur les hauteurs de Sainte. Donc, l'aspect aérien vient peut-être de là. Ouais. C'est dans une belle chapelle qui s'appelle la chapelle Chavagne, qui est un lieu assez petit en fait, mais qui a été bien aménagé pour accueillir des groupes, et surtout qui est adjacent à la cathédrale Sainte-Eutrope. Et vu que tu es sur les hauteurs de la ville, c'est un endroit où tu te sens assez bien en fait. Soyons les plus. Récemment, j'ai écouté beaucoup plus Prince que Dominica. Mm-hmm. Et j'ai écouté beaucoup plus Tina Rewen que Animal Collective. D'accord. Donc, dans l'album, on sent quand même ses influences. Oui, bien sûr. Elles ont été importantes. Elles ont été importantes, oui, bien sûr. Ouais. C'est des artistes qui sont libres, ouais. Dominica et Animal Collective, et qui ont toujours revendiqué cette liberté artistique comme la roue principale de leur véhicule, quoi.
Donc, oui, c'est leur manière de faire autant que leur sonorité m'ont beaucoup influencé. Ouais. Autant dans la démarche que dans le son, finalement. Donc, par cela, en fait, je suis tout le temps amené à chercher. Essayer de faire combiner du français avec des rythmiques chaloupées qui sont en même temps électroniques et vivantes. C'est vraiment une matière malléable, quoi, pour moi, la musique. Et qu'on manipule au gré des concerts, au gré des lives, et qui, des fois, est manipulée, fait pas de belle forme. Des fois, il y a des concerts ratés, des fois, il y a des parties de concerts ratées, et des fois, il y a des parties de concerts extraordinaires, mais qui pourront jamais être reproduites. C'est tout l'intérêt du vivant. D'autant plus aujourd'hui que l'industrie de la musique prend une tournure différente, pour ne pas dire qu'il est en crise. Parce que je pense pas qu'il est vraiment en crise, puisque la musique ne peut pas être en crise en elle-même, étant donné que c'est des sons et des vibrations. Mais en revanche, je pense que c'est intéressant qu'on donne maintenant l'opportunité aux artistes d'exploiter différentes facettes de leur création. Donc moi, j'ai un vrai plaisir, comme je le disais à l'instant, à expérimenter et à utiliser l'instant à ses fins propres, plutôt que d'utiliser un concert comme une reproduction d'un album. Et bon, tous les artistes font ça, bien évidemment. Mais oui, encore une fois, c'est un espace de liberté, le live, et l'album aussi, finalement, mais sur des terrains différents, et un confort qui est d'ordre différent que celui de la tournée. Allons à la piscine demain, fera beau, ça éloignera le chagrin. Je retrouverai bien le chemin, disons à demain. Ils plongeront du 10 et moi du 3. Des kids feront des tricks et des coups bas. À l'ombre d'une astra, tu t'assieras et tu regarderas tomber des tiges musclées. Et tu penseras, à nous tu nous noieras.